3, 2, 1, fight! D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi la bête, hein, Bucky, qui dort sur mon lit. Ben, dort. C'est un grand mot parce qu'à mon avis, il doit me mater avec des gros yeux en mode pourquoi il parle lui. De base, je suis venu dans sa chambre pour le silence. Il raconte sa vie. Je crois que mal. Et du coup, ouais. Hein. Ah ouais. Incroyable cette musique. On va tout prendre. Et je vais mettre ça. J'aime bien là le petit start zigs. Oh là. Alors attends. Waouh. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on vend si on n'a pas de truc ici là. Je pense que je vends les deux ici, je récupère ça. Hein. Tous les jours. Hein. Ouais. Ouais, je le sens bien là. Non. Non. Ouais, mais ça c'est trop gamble. J'ai un plan. On va essayer de monter l'écho à balles. Parce que du coup là on a pris ça et je pense que avec le start qu'on a, on peut vraiment essayer de tanker un maximum. Chasseur c'est très fort en early, donc il y a vraiment des chances que j'arrive à au moins sécuriser quelques HP. Après bon là je suis tombé sur le mastodonte qui avait une sortie de fou. Mais ouais j'ai envie de jouer chasseur là. Là j'ai la Ginzu. Je pourrais peut-être essayer pour voir pour une Shojin. Ou même un Blue Buff hein. Parce que Blue Buff je pense que c'est vraiment pas dégueu hein, sur Kog hein. Je sais pas si je vends pas les Ziggs là. Je vends les Ziggs et je passe à 30 quoi. Après si je gagne je vends que un Ziggs. Mais ça m'étonnerait que je gagne là. Ouais ma beat, ma grosse beat je gagne contre un mec level 5. Allez, un pari un peu fougueux, mais un pari qui me fait monter mon écho et je pense que c'est le mieux là. Comme ça là, je gagne plus 9 déjà. En vrai là, on va tout miser sur le fait d'avoir un Kog'Maw. Hein. Un Kog'Maw 3 ou même... En fait, je sais pas ce qu'on pourrait jouer... Allez, hein. Il va falloir tanker. Je pense pas gagner là. Oh putain. Ah non, non, ma bite, je gagne là. Ma bite, je gagne là. Voilà, peut-être que si en vrai ça pue, hein, j'ai l'impression de gagner là. Hein. Ouais. Que... Oh non, non, ok, il se fait péter le cul. Je pensais qu'il allait tanker un peu plus, mais. La Shojin. La Ginzo, pardon. La Ginzo. Il y a des gens sur chasseur slash Kog'Maw, quoi. Ok, ouais, donc toi tu prends ça. Parce que lui on gagne pas. Lui on gagne pas. Lui on gagne pas, wesh. Lui il fait peur par contre, j'ai l'impression. Ah oh, frère, il a 3 items sur l'eau qui est chrono. Ma bite il perd. Là il faut juste que tout le stage fasse full défaite. Que j'essaie de passer rapidement le palier 50. Que je stack des gold. Et quand je passe level 5-6. Essayer de rôle notre Kog'Maw. Et même si on peut avoir essayé d'avoir un Twitch 3 ou même un Blitz. Ah fait chier, je gagne. Je pensais pas du tout. Frère. Comment il perd contre moi, frère? On va vendre ça. On est à 50. On va encore attendre. Putain, bah du coup, là, il faudrait le gagner, quoi. Après, j'ai un Kog'Maw 2, j'ai lui 2. Enfin, c'est vu qu'il est level 5, qu'il a quand même des bonnes unités pour un level 5. Aïe, 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 ouais. Pff. Ça fait mal, hein, quand même, hein. C'est fou, hein. Ouais. Oh, oh non. Oh oui, c'est un miracle, j'y croyais pas. J'y croyais pas, hein. Dans ma tête, il était mort tous les jours. Merde, je voulais mettre lui. Je suis un connard. Ouais, non, là on va jouer à Winstreak du coup.
Non. Ok. Ouais. 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 Ok, je suis de off de lui, donc déjà c'est sûr qu'on lui met ça. Après je pense que je vais réfléchir pour si est-ce qu'on lui met le vœu du protecteur. Je pense que c'est un bon item hein, le vœu du protecteur, mais est-ce que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut voir en fait si les autres... Waouh. Oh, ça va être la merde, un peu. Ok. Ok. Toi tu dégages. On repasse à 50, on est pas mal. Je sais que bon, bah, du coup, l'intérêt de ça, ça perd un peu vu que je monte pas l'intérêt de ouf. Mais en vrai, là, j'ai un feeling, il faut que je roll maintenant. Oh, ça, c'est fort, ça. Ça c'est, je sais que c'est très, très fort. La dernière fois, je l'ai joué et j'ai fait une grosse game avec. Ça, normalement, j'aurais dû le prendre s'il n'y avait pas eu ça. Mais je pense que je vais prendre ça, gros. C'est trop fort. Allez, je suis one off du boug. Je me dis un petit vœu du protecteur là. Pas mal. Ah oh, vas-y. Allez les frères hein. On va le faire hein. On va le faire hein. On va lui faire loose à Winstreak hein. C'est moi qui te le dis hein. Oh non. Il est en train de m'allumer. Faut le tuer. Non. Je vais péter mon crâne si je perds sur ça. Hein. Oui. Oh, ouais. Ok, je suis 2 off de lui, 1 off de lui. Ok les frères, on va le chercher ce game. Après, faire rentrer Arcana Harry dans la situation, je vais avoir beaucoup de légendes, bah je vais avoir beaucoup d'unités level 3. Il y a quand même un monde à jouer. Hein. Ouais. Ça peut-être le faire, le positionnement. Merci la zone. Merci la zone. Est-ce qu'on prend un truc tank? Ouais hein. En vrai on aimerait récupérer ça hein. Hop. En légende. Wouhou. Du coup je vous disais ouais une griffe du dragon. De dragon. Je pense qu'on va lui faire faire. Faudrait peut-être que je lui enlève et que je lui mette à lui. Hein. C'est peut-être mieux de lui mettre à lui. Vu qu'il a un shield et tout, il va beaucoup mieux tanker que lui, je pense. Même s'il est level 3. Lui, surtout, il est beaucoup plus tourné sur de la magie et tout ça. Je pense qu'on va lui faire le switch. Akomoteyama. Je pense qu'on va faire ça. Je pense que c'est le mieux. On va quand même faire le changement. Et on a derrière le dernier item. En vrai. Dommage. On touche plus trop Kog'Maw. Hein. Après ça va, je pense qu'on a le time. On a tellement une grosse front lane là que je pense. Avec lui qui a ses items monstrueux, je pense que c'est très ok là. En vrai, ce qui serait vraiment intéressant, c'est surtout d'avoir un Twitch 3 peut-être. Non, j'ai passé une chasseuse, j'ai pas vu, putain, je suis un connard.
Ok, manque de Twitch. Dommage, j'ai essayé de forcer. Il m'en manque plus qu'un, hein. Je réfléchis parce que ces items là ça peut être pas mal sur un Twitch, hein. Oh oui, un petit Zig the 3 là. Oh, laisse-les parler. On est pas mal, hein. Oh, on pourrait dégager ce Ziggs. Ouf. Bon. On va mettre sur lui en attendant. On va mettre ça sur lui. Oh, lui il va être déçu, je pense. Au vu du de la tankiness. Là en fait je pense que le vœu du chevalier ça a été le meilleur choix que j'ai fait au monde, hein. Je vais lui mettre en vrai. Ça a rien d'attendre. Je pense que c'est pas dégueu de lui mettre. Et ça me sécure à un autre gars qui fait des dégâts. Parce que vu que lui il attaque un peu aléatoirement, on sait jamais. Bon après là gros, on fait tellement mal et on a tellement de tankiness que en vrai de vrai, on peut faire hein, une double gargoyle là. C'est très bien aussi, hein. Double gargoyle. On va faire ça. On va pas se casser le cul, je pense. Du coup. Ouais. Comme ça au moins ils vont taper un peu ma front lane. Eh ben quand même elle fait malin sa Fiora, hein. Ouais hein, ok d'accord. Je pensais pas Fiora 2 pouvait autant imploser après les 0 gold. Bon. C'est ok, du coup fais voir. Ouais hein, quand même hein. Ouais. Je trouve un peu abusé quand même qu'il me gagne, hein. Franchement, je trouve que c'est un peu beaucoup abusé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est le jeu, ma Lucette, hein. On peut pas tout le temps gagner. Je pense qu'on cherche les 6 chasseurs, hein. Niveau front lane, on cherche pas mieux, hein. Là, on est bien avec ces deux-là. Juste il lui manque des items à lui et après ce sera un peu plus jouable je pense. Oh il a pas réussi à mettre son putain de shield avec le stun. Oh. Ouais. Let's go. Est-ce que je mettrais pas un petit coup de atomiseur là? On a quand même un Rumble 3. De rajouter un chasseur, je pense que c'est pas si worse que ça quoi. Oh oui, le petit Olaf. Ouais. Nanana. Quelle quiétude. Ok. Ouais, lui on l'a implosé. Bon après c'est le fantôme, mais je pense que même sans le fantôme, je pense que lui on lui marche dessus, hein. En vrai là il faut pas paniquer, faut juste passer level 8, faire entrer 6 chasseurs.
Et en vrai, peut-être aller chercher le 9. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt un item sur lui que sur un Olaf? Parce que là, chercher un item sur Olaf avec ça, c'est un peu compliqué, je trouve. Je pense... Ouais, j'aimerais bien ça, là. J'aime bien. J'aime bien ça. Allez, hein. Ça peut le faire. On y croit. Allez. 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 Oui, let's go. Voilà, hein, je vous le dis. Hein. On est big, hein, en vrai. Faut juste qu'on arrive à setup notre 6 chasseurs. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup au cas où si on a envie de trouver un petit Olaf 2 quand même pour sécuriser, une petite Jinx 2 aussi. Tu vois. La nuit. Oh là là, je pense que c'est dur, mais allez, faut qu'il envoie, ouais. Allez, oh là là, c'est dur, c'est dur. Allez, oui, allez, tu peux le faire, mon grand. Oui, magnifique. Oh là 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 là, mais quel héros ce Kog'Maw. Mais ce Kog'Maw est immensément fort. Let's go. Ah mais non, mais Smolder. Smolder pour avoir Atomizer plus Dragon. Même si l'unité est un peu nulle à chier, en fait on veut juste récupérer on veut récupérer ce qu'elle nous donne, hein. C'est tout, hein. C'est tout en vrai, hein. Là je pense qu'on est vraiment assez big pour pouvoir wait. Là déjà lui on lui a mis une grande baffe. Un de vos champions. Oh bah oui, un parfait Blitz. Blitz qui récupère 350 HP, ça me va. Ah mais on est contre Dieu le Père. Ah ouais, Dieu le Père, c'est fou comme je pense que ça va être chiant. C'est fou, hein. Il a pas grand chose, hein, quand même, comparé à moi, hein. Quand même. Ouais. La Fiora est vite focus. Elle est bloquée, elle aura pas le temps. C'est pas mal. C'est bien, hein. Ouais, ouais, en plus on lui met une bonne clacasse. Et lui il est level 9, 0 gold, hein. Je vous le dis. Moi je suis plutôt large. Là je pourrais passer level 9 d'un coup comme ça là. Après j'ai pas Smolder donc je vais pas le faire. Ok, parfait, là on est au max. Là on peut pas monter à plus d'intérêt là. Oh bien. On va faire un peu de rôle quand même. Ouais. Voilà, déjà ça sécure un peu, hein. Ça sécure un peu. On va lui donner ça, je pense. Ouais. Allez mon Olaf. Même si bon, t'es juste de la chair à pâté, au moins pour tes derniers instants, juste casse des gueules, quoi. C'est tout ce que je te demande. Waouh, waouh. Ils ont le truc d'execute, ça fait mal, hein. Mais bon, il est mort. En plus, il me rebalance les Smolder, du coup. Allez. Ok, bon. On a eu au moins le Smolder. C'est ce que je voulais. Oh non, non. Nous manquait de lentilles et ben on l'a eu, hein. Maintenant il faut juste espérer tuer l'autre. Ouais, voilà. Hein. Boum. Il est mort. Il nous en reste plus qu'un, hein. Là c'est le plus loin, donc s'il peut essayer de péter la gueule à elle, ça me va, hein. Moi c'est juste lui en vrai que j'ai besoin de bouger, les autres ils restent au même endroit,
Après, ça m'étonnerait qu'il arrive à gagner avec ça, hein, franchement. On va pas se mytho. Hein. GG. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer de mieux? Un top 1, mesdames et messieurs. Voilà, putain, ça fait plaisir. Le petit top 1, je pense quand même, ça s'applaudit. Je s'applaudis dans le chat, n'hésitez pas à être en liesse, hein. Non, il y a personne. je pense qu'elle ira ce test sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mesdames et messieurs. Et un like est égal à un bonheur d'un chien reposé. Voilà, retenez cette phrase.